Je le vois tout d'abord très très difficile parce que le PSG c'est quand même un grand club. Donc pour moi, 1-1 et ça va jouer dans les prolongations tir au but. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, le LOSC qui n'a jamais été aussi près d'un troisième titre de champion de France après la victoire hier soir face à Saint-Étienne sur le score de 2-1 en match avancé de la 35e journée dans un stade Geoffroy Guichard à l'ambiance passionnée. Les Lillois rapidement menés, on va le voir tout de suite, ont su réagir très vite grâce à une égalisation de Tulio Demelo. Le deuxième but a été marqué ensuite par le capitaine emblématique Lillois, Rio Mavuba. Vous voyez les joueurs qui ont été acclamés également par les supporters stéphanois. À noter aussi dans les bonnes performances le pénalty arrêté par Mickaël Landreau en première période. En attendant donc le match de Marseille ce soir face à Brest, le LOSC leader compte maintenant 7 points d'avance sur les Phocéens. Il reste 3 matchs avant la fin de saison, de quoi faire rêver forcément à Lille où hier soir dans les bars, vous le voyez, l'ambiance était à la fête. Après avoir fait les comptes et être assuré d'évoluer en Ligue des Champions l'année prochaine, les Lillois se mettent à croire au doublé, le titre et la coupe. C'était évidemment la une de tous les journaux, vous le voyez, de quoi mettre du baume au cœur, que l'on soit supporter ou simple Lillois. La victoire a fédéré tous les nordistes et ses succès répétés, je vous le disais, font du bien au moral. Et surtout, la réputation et l'état d'esprit des joueurs rendent aujourd'hui très fiers les nordistes et les Lillois en particulier. On les écoute. Je ne suis pas trop foot, mais... On est fiers. On est fiers du Nord, parce qu'on est du Nord. Alors, ça nous fait plaisir. C'est bien, ils ont bien joué. J'ai suivi un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais ils ont bien joué, ils méritent. Ça y est, c'est sûr. Là, c'est fini. Avec les 3 points d'hier soir, aucun problème. Aucun problème. Il y a un vrai entraîneur et il y a une équipe autour qui est géniale. Et c'est vrai que je trouve que ça reflète beaucoup d'esprit du Nord. Et on est très fiers de ça. Très bonne équipe, très bonne ambiance, accueil chaleureux et tout. C'est le meilleur. On verra quoi, il y a encore 3 matchs à jouer, on a 7 points d'avance. C'est vrai, le football ça va super vite, mais j'espère qu'on va aller au bout. Et la prochaine étape pour les Lillois, ce sera bien sûr cet événement, la grande finale samedi soir de la Coupe de France avec contre le PSG. Donc ce samedi, toute la région sera aux couleurs du LOSC, bien entendu. Mais ceux qui attendent le plus cet événement, ce sont bien sûr les supporters, ceux qui suivent le club depuis des années et notamment les plus jeunes qui ont des étoiles depuis quelques jours dans les yeux en espérant le doublé. Nous avons rencontré justement les joueurs de moins de 15 ans du LOSC, des adolescents que les Lillois aujourd'hui font rêver, toute une génération fans d'Eden Hazard, de Rami ou encore de Rio Mavuba, des joueurs devenus en quelques semaines les modèles de toute une génération. Écoutez. J'attends que Lille apporte une bonne image du club à l'extérieur et qu'ils finissent par gagner. Nos adversaires, quand ils jouent contre nous, ils ont l'image du club, donc la Ligue 1. Donc c'est l'équipe à battre en fait. Donc c'est vrai que c'est difficile chaque match. Qu'est-ce qui est pour toi cette année le plus exemplaire ? Le collectif et toujours ensemble, l'état d'esprit surtout. Les jeunes regardent les matchs, se rapprochent en tout cas en termes d'image des pros qu'ils côtoient. Et c'est toujours intéressant quand l'équipe première du club a de bons résultats pour coacher les plus jeunes. Tu as hâte d'être samedi ? Ah ouais, franchement. Et voilà, ce sera donc l'événement samedi soir au Stade de France, le LOSC contre le PSG en finale de la Coupe de France.